chichou. Salut. Aujourd'hui, on est ravis de vous retrouver pour un nouveau vlog. C'est un vlog spécial préparatif départ en voyage. Du coup, on est très content parce qu'on va reprendre les vlogs voyage. Et en plus, le truc qui est cool, c'est que ce sera des vlogs voyage, mais en famille. Oui, en famille, ouais. Avec Bébichou. Donc là, on va tout vous montrer, ce qu'on prépare, l'organisation, tout ce qu'il faut ramener pour un bébé. On va tout vous donner, les petites astuces qu'on a, les infos qu'on a et tout. Donc, restez bien connectés. Et pour la destination, si vous voulez savoir où est-ce qu'on va pour notre premier voyage avec Bébichou, restez à la fin de ce vlog, vous verrez où on va. En parlant de Bébichou, on a une petite annonce. Alors c'est vrai que jusqu'à présent, Bébichou, on ne l'a pas montré dans les vlogs pour des raisons, ben, vous savez, un peu internet, c'est un peu chaud tout ça. Mais c'est vrai que là, en partant en voyage et en faisant des vlogs, tu vois qu'il y a un bébé, mais tu ne le vois tu pas. Tu vois pas son visage. Et il faut savoir que c'est vrai que les vlogs, on vous partage à vous, mais c'est en premier lieu, c'est des, c'est des souvenirs pour nous. C'est-à-dire que nous, c'est vraiment nos souvenirs en vidéo, quoi, qu'on adore re-regarder pour se rappeler. Oh, regarde comment on était avant, regarde ouais, là, on était ouf. Là, on était trop bien, on avait... Oh, regarde le style qu'on avait et tout. Et c'est vrai que de ne pas le montrer dans les vlogs, c'est assez frustrant et je me dis que... pour lui, peut-être il aura envie de voir quand il sera grand, comment il était quand il était bébé et ben voilà, qu'il a profité des moments en voyage, comment il faisait, ses petites mimiques de visage. C'est vrai que nous on le voit, mais vous, vous le voyez pas. Et c'est vrai que du coup, ben c'est pas tip top. Après, voilà, on dirait qu'on profite pas vraiment, qu'on fait, on profite que à deux alors que maintenant on est trois. Et ben du coup, on préfère profiter avec lui et le filmer aussi, quoi. Voilà, du coup on a pris la décision de le filmer quand on part en voyage pour les vlogs et tout. Alors attention, c'est pas genre on va le surexposer, focus c'est... sur lui, non c'est pas vlog baby chou, hein. C'est vlog family chou et du coup comme il fait partie de la family chou, et du coup ben on va le montrer. Vous verrez un peu sa tête. Voilà, c'est ça. On va pas couper les moments où on le voit. C'est vrai que c'est compliqué pour les montages. Donc voilà. Et c'est vrai que nous, on a une petite communauté qui est assez bienveillante. D'ailleurs, merci à vous, mes chers abonnés. Alors, abonnez-vous. On est bientôt 11 000 sur la chaîne. Yes. Ce serait trop cool de dépasser les 11 000. Alors, abonnez-vous. Et du coup, voilà. On a pris la décision de le montrer. Pour ce nouveau vlog voyage en famille. Voilà. Par contre, son prénom on garde privé, comme ça, voilà. Oui. Mais pour vous, ça sera Bébichou et vous verrez sa tête de temps en temps, voilà, quand on fait nos trucs. Et sachant que là, c'est un bébé, vous voyez, genre il a une tête de bébé. C'est pas encore sa tête qu'il aura quand il sera grand. Donc, on n'a pas la même tête quand on est bébé que quand on est grand. Donc, à la limite, je sais pas, vers peut-être quand il aura 2-3 ans. Plutôt 3-4 ans, on coupera, quoi, on le montrera moins parce que du coup après on voit mieux son visage et tout. Là on va vous le montrer et ensuite on vous montre la petite organisation, les préparatifs de nos bagages. Donc vous êtes prêts à voir Bébichou? Lui il est prêt déjà. 1, 2, 3. Coucou. Coucou. Oui. Dis bonjour au vlog. Dis bonjour les abonnés. Oui, vous voyez, en ce moment, c'est compliqué. Allez, dis bonjour au vlog. Gant, t'es tout décoiffé là, punaise. Bonjour les petits choux. Coquinou. Donc voilà, vous avez vu Bébichou. Et maintenant, on va passer aux préparatifs des bagages. Donc c'est parti pour les préparatifs. Alors pour ce faire, j'ai commencé à faire une liste là, qui reprend toutes les choses à ramener dans nos valises. Donc pour Bébichou, il y a vraiment pas mal de choses. Il y a tout ce qui concerne ses vêtements, ses produits, ses appareils, sa nourriture, tout ce qui est pharmacie et autres, c'est-à-dire sac à langer, poussette, porte-bébé, chaise bébé, enfin... Tout ce qu'il faut pour lui, quoi. Donc ça prend vraiment énormément de place.
Et alors pour vous dire, on part 5 jours. c'est pas 10 jours, mais il faut quand même beaucoup d'organisation, les gars. Et après pour nous, bah, il faut tout ce qui est documents. Ensuite tout ce qui est matos vidéo, parce que voilà, pour les vlogs et tout. Nos vêtements, trousse de toilette, moi trousse make-up, tout ça. Donc voilà, on va suivre la petite liste. Donc on a mis ici les valises. Donc normalement on a droit à une valise en soute et un bagage cabine de 10 kg. Mais quand vous voyagez avec un bébé, vous avez droit à ramener un bagage cabine de 10 kg, un sac allongé et une poussette sans frais supplémentaires. Ça c'est inclus, ça c'est vraiment trop bien. Genre pour voyager qu'un bébé, on a vraiment pas mal de trucs. D'ailleurs on a la poussette qu'on a commandé. On a commandé sur Amazon, on va vous faire la petite démonstration. Trop bien, donc elle passe en bagage cabine, les gars. En plus, ça c'est non négligeable. Voilà, elle fait la taille d'un bagage cabine, donc on peut la mettre en cabine avec nous. Et c'est vraiment top. Je l'ai pris sur Amazon, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le lien affilié dans la barre d'infos. Donc on va vous montrer comment elle fonctionne et tout. On va vous faire le petit test. Allez, c'est parti. Donc les amis, on va vous présenter la petite poussette qu'on a achetée sur Amazon, bien évidemment. Déjà, juste pour l'ouvrir, appuie sur le bouton ici et appuie sur la manette là. Une fois que c'est fait, bim! Cool, hein. Donc voilà. Et là, du coup, ben, c'est le mode assis. Voilà. Michou, tu veux une autre poussette? Il arrive. Allez. En fait, il est au niveau 4 pattes là en ce moment. Ouais. Tu veux? On montre ta poussette. Allez. Hop. Du coup c'est pas du tout un partenariat hein. On a acheté la poussette, les gars. On a acheté sur Amazon. Coûte 140 € sur Amazon. Mais elle est vraiment top pour le voyage. Ouais, parce que c'est vraiment très très pratique. Donc là la ceinture est trop stylée, parce que elle est simple à mettre et simple à enlever aussi. Ah, elle a un petit somme, on dirait. Oh bah tiens, je vais le faire demander sa poussette du coup. Et moi du coup, vu que je suis un stressé, et bien des fois à l'aéroport, s'il faut aller vite, cette poussette là elle est vraiment très très pratique. Donc là on va desserrer un peu. Là du coup je vais lui mettre la ceinture. Il y a 4 compartiments. On va venir mettre le premier. Bim. Le deuxième. Tac. C'est pour le haut. Et après vous avez sur le côté aussi. Du coup voilà. Là-haut ici vous avez son petit truc pour le cas où il y a le soleil. Là, vous avez une petite fenêtre pour pouvoir le voir. Ici, c'est quand il fait la sieste. Parce qu'après, on peut le mettre en mode allongé. En mode allongé, c'est simple. Il y a la petite ficelle ici, là. Il y a juste un appui dessus le bouton. Et après, la poussette, elle descend toute seule. Et du coup, il est allongé. Voilà. Et quand il fait chaud, ici, on peut ouvrir, faire passer l'air. Là, tac, comme ça. Ça, on replie. Bim. Comme ça. Hi! Coucou! Et après, on vient accrocher ça ici. Et elle est hyper malléable. Elle roule hyper vite. Vous voyez, ici, c'est très petit en fait. Franchement, c'est trop top. En plus, ça va vite. Ça passe partout. C'est pas compliqué à ouvrir, fermer, à ranger la poussette. C'est vraiment très très simple. Ouais, à tester. Après, on vous dira au fil du temps ce qu'il en est. Mais en tout cas, ouais. Dans les aéroports, t'as vu quand t'es pressé. Oui. Et ben, des fois il y a des ceintures où c'est chiant parce que c'est long à enlever. Oui. Là c'est rapide, il y a juste appuyé sur le bouton là, et les 4 ils s'enlèvent. Ah ouais, c'est super rapide. C'est super rapide. Viens avec maman. Avec moi, allez voir. Viens avec maman, on va vlogger. Allez, viens avec maman. Oui. Et allez, après pour le ranger, c'est simple aussi. C'est pareil, on fait la même manipulation qu'au début. On appuie sur le bouton là sur le côté. Après on lève la poignée en haut et on baisse la poussette. Et voilà. Wow. Elle est trop bien. Allez, salut. Salut. Trop bien cette poussette. Donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos. Et nous on vous fera le topo au fil du temps. Mais voilà, c'est parfait pour les aéroports. Par contre c'est une citadine, c'est pas une tout terrain hein. Vous pouvez pas aller avec n'importe où. Donc voilà. Mais ça prend moins de place. Oui, et il y a la barre là, on a oublié de montrer, mais il y a la barre qui va. Ça se fixe. C'est devant ici. Quoi, voilà. Comme ça, quand il est assis, il peut. Oui, il peut mettre ses mains et tout, donc voilà. Ensuite, c'est parti pour les bagages. Alors, pour l'organisation, donc pour les valises, on a en fait des poches comme ça. J'ai pris sur. J'avais pris sur Amazon. Et aussi sur Chine, parce que sur Chine il y avait aussi, donc ça c'est pratique ces poches là, parce que vous pouvez mettre vos vêtements et tout, et c'est compartimenté, vous voyez, dans la valise.
Donc là, j'ai mis pas mal de sacs parce que c'est pour s'organiser. D'ailleurs, je voulais vous montrer ça également. C'est une chaise comme ça. En fait, vous dépliez dans l'autre sens. Ah oui, voilà, vous dépliez ici. Et hop, ça fait une petite chaise comme ça que vous pouvez mettre sur une chaise. Elle est vraiment top parce que du coup, même si on n'a pas la chaise haute, en voyage, on pourra le mettre, par exemple, si on est au restaurant et tout, on pourra le mettre et il sera assis sur une chaise, quoi. Pour ce qui est de l'organisation, donc on a aussi pris ça. C'est un thermos, je vous montre. Donc en gros, c'est comme ça. Vous ouvrez et vous avez un thermos là. Donc vous mettez l'eau chaude dedans. Vous voyez, et comme ça, ça se conserve bien. Et ensuite, quand vous vous faites chauffer, vous mettez l'eau dedans et le biberon à l'intérieur. Et ça, comme ça, ça réchauffe au bain-marie. Donc vraiment pratique et ça prend pas trop de place, vous voyez. Après ça, ça s'empile. On verra l'utilité si c'est vraiment top en voyage. N'hésitez pas à suivre nos vlogs pour voir la suite. Alors ça, c'est des petites poches transparentes. C'est pas mal aussi pour les produits qu'on embarque en cabine avec nous. Et une petite boîte, ça vient de Shein. Tout ça, ça vient de Shein. Hein. Une petite boîte. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Petite boîte pour les bijoux parce que des fois, on ne sait pas où mettre les trucs, que ça traîne. Que là, on peut ranger et tout. Les colliers, les bagues, les bracelets. Et voilà. Moi, ça se perd pas dans la valise. Regardez par qui je suis rejoint. T'es parti promener? Ah, vous êtes parti promener où? Magasin? Ah, d'accord. Ma maman a préparé ton sac allongé, regarde. Hello mes petits choux. Aujourd'hui, on est vendredi, la veille du départ. Et il est presque 20h. Et du coup, on est... On est en plein dans les valises, là c'est le wine. Heureusement qu'on a avancé quand même la semaine dernière, mais là... C'est vrai que ça change maintenant qu'on a un bébé, c'est beaucoup plus lent et il faut vraiment faire attention. Il faut penser à tout quoi. À bien tout ramener pour lui. Donc voilà, alors normalement, faut qu'on re-regarde un peu nos vêtements, tout ça, ce qu'on a mis. Ça c'est notre valise. Notre valise. C'est pas la valise. De toute façon, on vous refait après le point vraiment pour détailler qu'est-ce qu'on a mis dans quoi. Parce que là, ouais. C'est le wine total. Hein. Attends, les poches que tu as dit pour le carré. Alors, il y a des poches exprès qui sont juste en dessous. Voilà. Pour mettre tout ce qui est claquettes, chaussures, etc. Bon, après, ça du va. Du coup, ces chaussures-là, je ne vais pas les ramener parce que j'ai acheté des nouvelles chaussures. Je vais vous les montrer. J'ai acheté celle-ci chez Kiabi. Ah ouais, mes chaussures sont plutôt belles, pas besoin de mettre dedans. Ouais, elles sont plutôt pas mal, elles sont belles. Hey. Et sont mignonnes. Ouais. Donc voilà. Ouais, non, ton truc ça rentre pas quoi. Ouais, donc voilà, on va avancer tout ça. Et ensuite, moi je vais me faire mes soins, c'est-à-dire là il faut que je fasse mon shampoing, mes cheveux, mes boucles, soins du visage, gommage, etc. Épilation, bras, jambes, etc. Et voilà, c'est déjà pas mal hein, pour les soins. Et après, tout ranger les affaires, faut qu'on boucle toutes les affaires ce soir, les gars. Voilà, j'ai l'impression qu'on va jamais finir. Surtout Baby Chou, il est un peu malade. Il faut ramener plein de trucs, des suppos, médicaments, tout ça, pour qu'il ait ce qu'il faut. Qu'on soupçonne que ce soit les dents. Et donc, faut qu'on lui ramène tout ce dont il aura besoin. Mais ça va, là, il est bien aujourd'hui, il va un peu mieux quand même. Mais il dort pas trop la journée. Mais la nuit par contre il dort bien. Donc tant mieux, on a bien dormi ces deux derniers jours. Et aussi il faut qu'on prenne des jouets aussi pour lui. Regardez, ça c'est son parc qu'on a, que j'ai acheté sur Amazon. Si ça vous intéresse je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et là c'est le bazar là. Regardez, c'est le wine total. Tous les jouets, tout. Regardez ça, je l'ai mis dehors, c'est n'importe quoi. Donc voilà, là, la poussette qu'on laisse ici. Ça c'est la fameuse poussette qu'on kiffe, qui est toute petite, qui est trop bien.
Et donc voilà. Ouais. Est-ce que tu es ready to go? Il va falloir finir ça. Ben là, tout de suite. Parce que, comme tout de suite. On charge les affaires dans la voiture. Et comme ça, demain, quand on se lève, bam, on trace direct. Ok. Et ouais. En plus, du coup, il faut qu'on laisse des croquettes pour Titi. Normalement, il aura. Oui, ma soeur qui va passer et tout. Donc voilà, donc c'est parti, let's go! T'es motivé? Oui, toi t'es comme ta mère, toi. Bon les gars, quelle galère, oh là là! J'en peux plus. Là, je suis en train de faire le sac allongé. C'est Tetris dans le sac. Déjà, je pensais qu'il était grand le sac. Et maintenant, je trouve qu'il est petit. Donc en fait, ici, alors je vous montre un peu vite fait parce qu'après je ferme et tout. Ici, j'ai mis les biberons. Donc on part avec 3 biberons. Un petit pour l'eau. Ça, celui-là, ce sera pour l'eau, pour le séjour. Ici, on en a un de 210, on va dire. C'est pour tout ce qui est goûter. Voilà. Et ça, c'est le gros bibi pour la nuit. Voilà, 240 millilitres. Une bouteille d'eau. Normalement, tout ce qui est liquide, on peut ramener. Hein. On a droit à un sac allongé et tout. Là, on a ça, il faut qu'on le chauffe et qu'on le prépare demain matin, qu'on chauffe l'eau et qu'on met dedans. Voilà, et à l'intérieur, ici, nous avons tout ce qui est pharmacie. La pharmacie, on a mis ici, parce qu'il vaut mieux l'avoir avec nous, voilà. Parce que là, il y a Doliprane, tout ça. Après, il ne faut pas qu'on rajoute le Dolodan, qui est là, parce qu'on utilise le Dolodan. Et de ce côté, nous avons... Alors, ici, j'ai fait une poche pour demain, justement, pour que tout soit prêt, déjà, toute sa nourriture demain soit à disposition, quoi, parce que j'ai pas envie de tout déballer dans l'aéroport, où est les affaires et tout, parce que comme ça va tomber à son repas du midi, donc il a sa purée, le yaourt pour le midi et le compote pour le 4 heures. Après, il y a ses dosettes de lait. Alors, pour le lait, il faut que je calcule bien, je sais pas si je ramène une boîte ou quoi. Pff, c'est une galère, c'est vraiment beaucoup de trucs pour les gosses. Moi, j'ai pris ça, mais je sais pas si en fait c'est nécessaire que je prenne ça parce que ça prend de la place. Je vais laisser ça. Parce que comme ça, il mangera dans les pots. Ça, c'est des pots déjà faits, donc il peut déjà manger dedans. Et dans la glacière, ben, il y a tout. Il y a compote, purée, yaourt, tout ça. Et voilà. Et il y a aussi ses berlingots pour la soupe le soir. Donc voilà. Et là, on va peser du coup. Pour moi, ça fait 5 kilos. Hein. Celle-ci, on est embêté, elle fait 25 kilos. Lui, il est têtu, il veut pas dormir. Là, je suis en train de faire ma sacoche. Donc là, je mets tout ce qui est... Ben là, c'est les passeports. J'ai mes petits trucs comme ça que je vais mettre avec moi. On dirait qu'on part genre hyper loin alors qu'on part pas longtemps, mais bon. Toujours tas de trucs. Donc, là, il me faut mes lunettes de soleil. Batterie portable. Elle est à 76%. Ça devrait faire l'affaire. Donc voilà. Lui, là, ça sacoche aussi. Je crois que je mets des trucs dans sa sacoche. Hein. Mais elle est bien cette sacoche de chez Shein. Les petites 10. Regardez comme il est trop excité, l'abeille. Hé, hey, l'abeille! Tu peux te calmer, s'il te plaît? 10 kilos. 10 kilos. Ça fait 8 kilos 4. Ah, ça va, on peut mettre quelque chose. Donc, celle-là fait 8 kilos, donc on peut mettre encore 2 trucs dedans. Parce que là, vu qu'elle fait 25, il faut virer 5 kilos, là. Mais quelle galère, quelle galère! Je crois que même quand on est parti au pays, on n'avait pas tout ça. Putain, c'était plus facile. Là, on part juste 4 jours. Pire. C'est pire. Eh oui, toi tu rigoles, toi, hein? Quoi, tu veux dire quoi? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire quoi? Ah, tu veux dire quoi? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? D'accord. On va voir celle-là, elle pèse combien? C'est ma vie. Daddy en PLS. Combien de kilos ça doit faire, ça? Hein? 10. Ça va? 8,9. 8,9 ouais. 9 kilos quoi. Je repèse l'autre. Là. Et donc on a tout là, non? J'ai mis ma trousse de make-up. Il faut que je recheck tout. Bon, ça y est les gars, on a enfin terminé. Ouh,
fatiguée. Baby Chou est au lit. Il est 22h. Il est 22h. J'ai toujours pas encore fait mes soins. Non, on va aller faire ça ensemble. Alors ça, c'est la balise qui va en soute 20 kg. Au niveau de l'organisation, pour vous montrer... Donc ça, je vous ai déjà montré normalement. C'est là-dedans, ce qu'il y a dedans, c'est tous les produits, dentifrice, brosse à dents, etc. Soins, tout ça. Donc ça, c'est bien. C'est bien cette petite trousse de chez Shein. Ça, c'est trousse à maquillage. Donc je vais devoir mettre encore du maquillage demain, une fois que je serai maquillée. Dedans, c'est des produits de cheveux de beauté. Et ensuite, là, c'est ces vêtements Valio. Ça, c'est les trucs à Baby Chou, ses soins et tout. On a préféré mettre en soute parce que, bon, voilà... Hein. Flemme. Et ça c'est quoi? Donc ça c'est ma partie. Donc ici, ben moi il y a mes vêtements. Donc là il y a tout ce qui est tenue, combi, là aussi des hauts, tout ça. Là c'est des manous, des pareos. Et puis là c'est les sous-vêtements. Et là c'est ma petite boîte à bijoux. Alors dans notre valise, qu'est-ce que nous avons mis? Ici, donc nous avons ramené son abeille. Il vient de tâcher son abeille, je suis dégoûtée. Là, c'est des chaussettes. En fait, là où on va, je ne sais pas si on pourra acheter et tout. Du coup, on a préféré mettre ça, prendre sa nourriture et tout. La poudre de lait. Il y a même le truc, une caméra et tout. Ça, là-dedans, il y a le porte-bébé. Et puis, ben, il y a les chaussures, tout ça. Donc, voilà pour ici. Comme ça, on n'en met pas. Ensuite, de ce côté... Là, j'ai disposé le sac allongé. Donc ça, c'est bon, il fait 5 kg. Ça, c'est le sac où on met dedans, il y a l'ordinateur. On a mis des couches dedans parce qu'ici, il n'y avait plus de place. Enfin, voilà. Ça s'accroche. Ça, c'est ma sacoche. Là, c'est la liste pour qu'on recheck en cas où. Voilà. Et là, on a la poussette. Là, il y a un bagage cabine. Alors, dedans ce bagage, ben, il y a ses vêtements, couches, tout ça. Donc, c'est tout dedans. Voilà pour ce qui est de l'organisation des valises. Maintenant, on va les passer aux soins. Allez. On est arrivé, on est prêt là, sac à dos. Hi! Let's go! Baby Chou dans sa poussette. Et nos valises, c'est parti! Et on va aller prendre le bus. Allez! Direction l'aéroport. Regardez comment elle est trop bien la poussette. On aime trop. Regardez comment il est posé. Bonne chance, Daddy! Arrivé à l'aéroport. Bon les gars, première petite intervention avec Baby Chou, la couche. Du coup je vais le mettre là et on va changer. On change? Oui? D'accord. Il est sage pour l'instant, ça va. On va mettre de l'eau dans les fontaines. Bon les gars, comme vous avez vu, on est bien arrivé à l'aéroport. Pour l'instant tout se passe bien, Baby Chou il est tranquille, on a changé la couche. Et du coup, là, on voulait vous faire le petit outfit of the day. Alors, mes chaussures de chez Kiabi. Pantalon Shein. Chemise Kiabi, c'est ça? Oui. Et trousse Shein et haut New Yorker, je crois. Donc voilà, petit outfit tranquille pour voyager. Et alors, Baby Chou, petit outfit. Alors du coup ces chaussures, je sais plus, ça vient de Kiabi, pantalon vinted et pull vinted, voilà. T'as vu ta nappe? T'as vu ta nappe? Trop bien, c'est un capuchet et tout, regardez. Ouais, c'est bien pour ses cheveux. Ouais, parce que ses cheveux sont light. Ses cheveux sont pétards. Allez, à Daddy. Chaussures Adidas, classique. Ouais. Pantalon New Yorker. La veste Kiabi. Et t-shirt Shein. Regardez, on dirait que c'est marqué Futuna. Futur. C'est marqué Futur. Et voilà, donc là on a le sac allongé. On a toutes nos affaires là, voilà.
On va aller voir un peu ce qu'on peut faire. On va faire des photos aussi. Premier voyage Baby Chou. Trop bien. Donc voilà. Allez, à plus. Regardez comment il est posé sur sa poussette. Non mais je rêve. On a galéré là pour enregistrer les valises, mais il y a des compartiments famille et ça on savait pas. Et aussi pour passer la douane, il faut tout sortir un peu, le liquide, tout ça. Donc ouais, c'est vrai que ça prend un peu de temps avec un bébé, hein. C'est pas comme avant. Hein. C'est pour ça qu'il faut bien organiser les préparations des valises. Et aller super à l'avance. Et sinon ça y est, voilà nos billets. Et du coup, on vous a toujours pas dit la destination qu'on allait. Vous avez deviné? N'hésitez pas à suivre notre série de vlogs à... Est-ce qu'en bas tu ne pourras pas me raisonner? Je tiens la plus belle à mes côtés, pas l'ensemble. Baby n'a pas raconté.